Un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? États-Unis, gros manifestation devant Capitol Hill là, dans le moment Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié la guerre Israël contre Hamas devant deux chambres congrès réunies. Toujours ici aux États-Unis, président Joe Biden a parlé pour le mettre à soi un message devant le peuple américain dans la première apparition en public depuis qu'il était testé positif pour COVID-19. Vice-président Kamala Harris trouvait dans Indianapolis dans cadre campagne pour joindre aval délégué pour représenter parti démocrate là dans élection novembre. Et puis dans pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conille rencontrait plusieurs secteurs sur état d'urgence sécurité qui touchait deux départements à 14 communes. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pas le développer pour dans un petit moment. Gros nouvelle là, c'est Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui lui-même les prend la parole devant deux chambres congrès réunies jeudi à côté que non seulement lui expliquer et guerre pour qui ça l'a mené Israël l'a mené guerre contre Hamas là pendant que lui-même lui dénoncer monde qui pas dans même position avec en allant rejoindre Valerio Seloui. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu t'a fait louange pour unité États-Unis avec Israël. Et il t'a fait louange président Joe Biden dans un discours qui t'a chauffé en pile devant Congrès jeudi mercredi qui t'a provoqué un boycottage par plusieurs gros démocrates et qui t'a attiré plusieurs milliers de manifestants devant Capitole là pour condamner la guerre dans Gaza avec crise humanitaire que l'État a créée. 9 mois après la guerre dans Gaza, Netanyahu a cherché à renforcer support États-Unis pour continuer bataille pays li contre Hamas et l'autre groupe armé que pays Iran a appuyé. Because when we stand together, America et Israël doivent camper ensemble. Les nous camper ensemble, nous bagaille vraiment simple privé. Nous gagnons et yo perdu. Benjamin Netanyahu te mette sous vesli yon broche à drapeau israélien et américain sous yon bord. Et sous l'autre bois, yon broche jaune qui exprimait solidarité avec otage israélien que Hamas kembe. Benjamin Netanyahu est entré dans la chambre assemblée américaine jeudi mercredi après-midi et puis il a reçu une ovation dans tous les partis. Avec seulement quelques démocrates qui étaient chita pendant tout l'autre monde qui a battu bravo pour lui. L'un des démocrates, c'était député Rachida Talaïb. C'était celle palestinienne américaine dans le Congrès. Les républicains ont applaudi Netanyahu avec enthousiasme pendant que le parti démocrate là, dans la chambre était moins enthousiaste même. Puis fondant la démocratie, ils ont campé avec battre bravo, mais ils ont moins voulu bailler pour le premier ministre Israël là, une salutation enthousiaste. Six moun qui était dans la galerie qui baille sous espace chambre côté discours à déroulé a te mettait sous yo maillot qui dit gérer contrat à Kounia. Une façon pour mander Netanyahu pour joindre un contrat pour retourner otage. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. N'a pas demandé Valerio pour le parler. Valerio, c'était un discours qui était très long et grand pile l'autre gros point que l'été abordé dans la question, notamment guerre là, notamment ta course deal et collaboration, coopération avec les États-Unis. Pour lui, il dit que États-Unis après l'apprêté, ils ont allié indispensable pour les États-Unis. Dis-nous l'autre point encore que nous peut-être t'as capable s'y aller encore pour les téléspectateurs Valerio. Tout à fait, Jacques. L'autre point que nous avons signalé, on précisait que c'est 4e fois que la parlé devant le Congrès. Eh bien, on a commencé un discours, un discours qui a duré, Jacques, à peu près une heure de temps et plus. Il était rappelé attaque que Hamas a fait le jour 7 octobre, année passée. Il parlait de 250 otages et qui parmi eux, il y a 175 qui ont libéré et 6 autres otages qui étaient sauvés. Il y a un otage, ça, qui est le Noah, il était dans la salle là, pendant qu'il a fait le discours. Il était chita, bon côté madame, lui, Sarah. Et il y a plusieurs autres familles otages qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifiés militants massaïo de qui te fait attaque ça de monstres, c'est des monstres qui ont. Les remercier président Biden pour aider dans la libération otages et support pour Israël. Les présenter tout Jacques quelques membres de l'armée IDF Israël là qui ont même tout été dans la salle là. Les qualifier de soldats courageux et les présenter comme des applaudissements. Nous t'as pas applaudi soldats ça yo. Famille soldats israéliens ça yo t'es présent tout dans la salle là. Ils promettent avec en pire conviction que Jean de attaque ça au pape jamais fait encore dans le pays Israël. Merci Valerio Saint-Louis qui t'a banou yon idée de discours ça que Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait devant deux chambres congrès réunies jodia et en absence te gon moun qui t'est brillé par absence si bien que plusieurs démocrates qui patent là.
Mais eh ben t'es gagné et Kamala Harris qui jouait rôle et président Sénat, eh ben le patla il t'es gagné obligation électoral qui fait que le patla mais et d'après on note qui sorti bon la Maison Blanche eh ben et l'a gagné quand même pour le rencontrer avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et puis n'a pas signalé tout pendant que et premier ministre israélien lui-même il tape fait discours devant deux chambres congrès réunies, t'es gagné en pile manifestation qui t'a fait dehors pour dénoncer guerre que Israël a mené contre Hamas là, et puis avec quantité moun qui mouri nan Gaza. Et yo parle de Konya, d'après dernier chiffre, li presque rivé 40 000. Donc on a rejoint gentil Augustin Junior qui lui-même t'est présent nan manifestation ça jeudi 24 juillet 2024. Là nous là dans Pennsylvania Avenue côté un groupe pro-palestinien réuni pour venir manifester contre présence Netanyahu qui en dans congrès a qu'a présenté un discours devant parlementaires. Un palestinien qui vit aux États-Unis t'est parlé avec nous et t'est expliqué nous pour qui ça li présent dans manifestation ça. I'm here is to protest. Moi ici là pour protester contre moun sa yo qui quitte Benjamin Netanyahu vin parler devant Congrès États-Unis. Yon chef la guerre qui commet génocide. C'est une honte pour États-Unis. Et moun ki kite le vin parler là, li derrière massacre qu'a fait sur peuple palestinien ak fami mwen l'autre bord. Nan yon pan li pa représenté sa nou kwe. Li pa représenté sa nou vle. Nou vle otage yo tounen jwenn nou. Nous voulons bataille yo suspend kounye a même. Nous voulons entente là. Nous voulons un état palestinien. Nous voulons la paix. To protest against him. We just want to tell him. Nous protestons contre lui. Nous voulons dire pour accepter entente là. Nous voulons wè otage yo la kayo. Et nous ici là pour encourager li fè ça. Moi te mande l, ou gen fami ou parmi otage yo? Li répond: oui, frère moi c'est un otage là-bas. Et puis, bon frère tout. J'en te dis là, pas de gagner seulement une manifestation pour palestinien, t'es gagné israélien yo qui t'est dans l'autre bord pour protester contre guerre qui dans Gaza parce qu'il a demandé Benjamin Netanyahu pour signer un deal côté que médiateur yo te chita yo fait ensemble yo façon pour gagner un cessez-le-feu et puis libérer otage. Donc yo vinn la jodi a, c'était pour mander Benjamin Netanyahu pour kembe dil la, libérer tout otage, suspendre avec guerre dans Gaza. Gen tout qui vini, c'est pas seulement pour ça, mais yo vini pour dire Netanyahu li pa gen place encore dans tête gouvernement Israël là. Moi c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Merci gentil qui t'es dans mi-temps manifestant ça yo qui t'a dénoncé guerre Israël Hamas là et qui t'a voyé parole Pimambou contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui saute prend la parole là devant deux chambres congrès réunies et font dit tout en absence c'est Kamala Harris qui lui-même est dans campagne pour expliquer eh ben pour chercher plutôt vote délégué pour le représenter parti démocrate là dans élection novembre 2024. Et puis pendant que premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même là il t'a fait prendre la parole devant congrès, eh ben guerre Israël Hamas là a continué et gain bilan que qui sorti dehors. Nous avons Jean-Robert Philippe qui suit pour nous de très près et dossier ça. Donc Jean-Robert Philippe parallèlement à discours Netanyahu et ben dans région Moyen-Orient puis précisément dans Gaza, et ben coup de zame continue à tirer. Effectivement Jacqueline, discours a pas calmé et conflit a qui gagne que Benjamin Netanyahu qui était derrière. Et c'est comme ça, non seulement quand c'était mon cap mouri sur le territoire Gaza continue à augmenter, mais tout gagne l'autre qui fait bouler cap fait tout entre Israël par exemple avec Hezbollah et puis tout gagne tout et l'autre groupe outilio qui est même basé dans Yémen. Et c'est là encore yo même il y a protéger tête, mais entre temps tout il dit que il a continué pour essayer d'attaquer Israël, mais Israël qui a une position que l'a mené attaque sur plusieurs fronts, non seulement dans le territoire Gaza mais tout dans Yémen avec dans le Liban.
quantité de monde qui mourit dans l'attaque force israélienne lancée dans le territoire Gaza depuis octobre 2023 a dépassé 39 000, d'après l'autorité de la santé dans le territoire Gaza. Force israélienne continue l'opération. Dans le moment, le premier ministre israélien trouvé dans Washington, côté il prend la parole devant le Congrès et puis rencontrer candidat Parti démocrate et Parti républicain avant le déroulement de l'élection novembre. Dans le jour qui passe, l'armée israélienne a tué 23 personnes et blessé plus de 91 autres pour mettre la quantité de blessés dans presque 90 000 depuis que la guerre a été commencée en octobre 2023. Après, militants Hamas ont attaqué quelques villages israéliens côté ont tué 1200 personnes et puis pris en otage plus de 200 Israéliens avec étrangers. Force défense israélienne a publié une déclaration lundi pour demander évacuation population qui vivent dans une série de zones allant tout Khan Younis. Brigade Al-Qassam, qui se branche armée militaire Hamasio, déclaré lundi que combattants ont frappé trois tanks avec un bulldozer l'armée israélienne dans la partie l'est Khan Younis. D'après le groupe militant, combattants ont été entrés dans une autre laissé frapper avec l'armée israélienne côté ont fait un pile blessé dans le camp soldat qui a cherché à détruire un tunnel groupe militant. Pendant ce temps, dans plusieurs villages éloignés avec la communauté tout près frontière Sud-Liban, soldats israéliens avec combattants Hezbollah ont passé plusieurs mois l'un après l'autre. Depuis le commencement de la guerre, dans le mois d'octobre passé, deux parties ont boucanté coup de roquette, coup de mortier, missiles avec frappe aérienne. War is almost the same for the last 9 months. We had good days of us hitting Hezbollah. We had bad days. Lieutenant colonel israélien d'OTAN déclaré guerre à Hezbollah presque été même gens pendant tous les 9 derniers mois. Nous passons un bon moment, les nous attaquons le groupe Hezbollah, mais un mauvais moment tout, les nous frappons nous. C'est la même situation pendant tous les 9 mois. Pendant le week-end passé, le groupe milicien Houthizio, qui est basé dans Yémen et qui, même gens avec Hezbollah, qui support Iran, a lancé un appareil téléguidé dans Tel Aviv, côté Otouye, un monde dans une explosion. Un jour après l'attaque, les forces israéliennes répondent kif-kif à frappe sur position Houthizio gagné dans Yémen. Joseph Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc jeudi 24 juillet 2024 là, c'est deux grands événements majeurs qui a passé ici à Washington, notamment nous attendons et visiter premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait de dans Washington et côté que il était prendre la parole devant deux chambres congrès réunies et puis à soir après le gagner président Joe Biden qui pourrait prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là en Aloua Sapibri. Président Joe Biden paraît pour prendre la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche là dans moment côté pifo famille américaine yo a plakayo ça relé yon heure de pointe. Président démocrate là a metté discours ça devant peuple américain quelques jours après l'été annoncé décision li pour lire à l'école dans course là pour yon deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été dans kay vacances li dans Rehoboth Beach dans Delaware côté l'été en quarantaine. Isolement parce que il était testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président, t'es senti quelques symptômes et tout petit, il était continué à exercer fonction correctement. Dernière fois moun t'es ka wè président Biden en public, c'était mercredi soir, là il était arrivé dans base aérienne américaine nan dans Dover dans Delaware, après il était testé positif alors que il t'a mené campagne avant ça dans même jour dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connait que président fini avec 10e dose médicament anti-Covid Paxlovid et que li continue exercer fonction li comme ça doit. Docteur a précisé symptômes yo complètement disparaître, tension artérielle li, rythme respiration ak température normale et poumon li clair. Moins que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago, État Illinois, président Joe Biden, 81 l'année, ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre, dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump. Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gen en pile influence pour le retirer col dans course là parmi personnalité ça yo gagnent ancien président Barack Obama, ancien président chambre députée Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié
président Biden. En pile analyse prévoit nan adresse sa que le pral mette devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis réaction continue à tomber après que président Joe Biden lui-même prend décision pour aller à l'école dans course présidentielle là. Nous t'allons déjà dans New York, nous t'allons déjà dans l'autre côté côté gang et haïtien, mais qu'on y a nous parlons dans Atlanta avec Yumi Janet qui parlait avec quelques haïtiens qui dans la communauté qui peut-être dans Atlanta. Depuis le président Joe Biden annoncé retrait li dans course pour chaise bourrée Maison Blanche lundi dimanche 21 juillet qui s'est passé à nouvelle ça pas suspend provoquer en pile réaction dans la communauté haïtienne dans la diaspora. Quelques citoyens t'ont opiné sur comment yo wè avenir immigrant yo après nouvelle ça. Je pense pas gain qu'à sauter, pas besoin gain qu'à sauter parce que yon programme n'a pas à dire que c'est seul Biden qui t'a fait programme non. Marché une fois que Biden sorti, n'importe monde qui pas ça capable continuer. Mais yon moun pa besoin faire aucun kè sote et même que Donald Trump ta li comme président programme nan ka toujours continue. Donc retrait président Biden nan prochaine présidentielle américaine yo pa gen gros impact en zanga sou nou comme immigré et surtout sou moun ki bénéficie du programme Biden nan. Nous sommes capables de nous recevoir, nous faire ça. C'est un coup, son blanc qui t'a bouilli, et vous vivez dans le fret là-dedans. Ça a été stoppé. Ça a été en termes d'avenir. Donc, tant pis le doute, donc, soit avenir. Disons, pas de nécessité pour ça. Parce que le programme, non, son programme qui est approuvé par le président Biden, qui toujours continue à travailler, à marcher. C'est vrai, gagner suspension, gagner un petit murmure, gagner comme si gagner un petit palampile. Mais la réalité, c'est que le programme n'a pas campé. Et formons-nous bien, l'hypothèse non président Biden, mais c'est pas un programme que c'est président Biden qui décide seulement pour faire. Je dis que c'est peut-être fait, pas rien de pire qui pourrait le passer. La situation a toujours été la même genre. Et si toutefois que le résultat de l'élection en ta vie dans l'autre bois, parce que bon, menti, nous tous qui là comme secrétaire Omelet Landi, vous comprenez, il dit comme ça qu'il y a environ 300 000 moun qui là. 300 000 moun ça a tout le temps, mais que c'est dame qui passe, c'est le passé. Yumi Janet pour VOA Creole, Atlanta. Merci Yumi, restez branché. Actualité à dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché lorsque nous avons présenté au rendez-vous info, un programme d'actualité qui passait sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, chef gouvernement et docteur Kony et Gary Kony ont rencontré diverses entités dans la société haïtienne dans l'idée pour consolider action qui visait état d'urgence sécurité qui décrété sous 14 communes dans deux départements l'Ouest et la Tibonite. Yves Manuel. Premier ministre Gary Kony réuni mardi 23 juillet 2024 là dans résidence officielle là avec responsable police nationale d'Haïti, force l'armée d'Haïti avec l'autre personnalité dans gouvernement pour discuter de état urgence sécurité hein, qui décrété et sous situation sécurité dans le pays d'Haïti. Réunion ça gain pour objectif consolider action gouvernement qui visait renforcer état urgence sécurité hein, qui décrété sous 14 communes dans département l'Ouest avec la Tibonite. C'est des occasions pour locataires primatiens et équipes articuler synergie qui nécessaire pour faire face à crise sociale, sécurité et humanitaire actuelle qu'a prongé pays en l'immobiliser même gouvernement pour appuyer initiative ça qui visait instaurer la paix dans pays d'Haïti. Docteur Gary Kony estime priorité actuelle gouvernement c'est résoudre crise sécurité hein. Li compter sur implication même population hein, avec tout secteur dans vie nationale là pour capable river finir toute bon vrai avec violence armée qui a ravagé pays hein.
N'a souligné pendant journée mardi, Franz Termilus, c'est nouvel inspecteur général en chef police nationale d'Haïtien qui installé commandant en chef police nationale. La fait qu'on est nomination ça visé souffler un souffle nouveau dans institution, il insister sur nécessité pour un leadership qui conforme à exigence moment pour une police qui sain et qui respecte la loi et éthique. Franz Termilus bon côté parle prend engagement pour appliquer sanctions selon la loi et le promet pour accompagner personnel PNH là dans mission. Il souhaite renforcer intégrité et efficacité institution. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves, n'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté plateforme politique réveil national, principale structure opposition dans pays d'Haïti, mandé pouvoir en place là chercher bloquer van côté zam ak munition yo a sorti pour résoudre problème insécurité. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince là, capitale pays d'Haïti. Porte-parole plateforme politique réveil national, pasteur Théodore William qui c'est tout conseiller parti politique solution quoi même si à travers état d'urgence sécuritaire la police l'armée d'Haïti en soutien ak mission multinationale t'a mené des opérations dans fief bandio ça pas résoudre problème insécurité si gouvernement pas chercher bloquer van côté zam ak munition yo a sortir jour yo bloquer sous côté zam yo a sortir. Les armes connaissent commencer à attaquer insécurité. Jour yo bloqué côté munitions yo a sorti ya. Les armes connaissent yo attaquer insécurité. Et immédiatement l'état commencer montrer autorité. Zam pa ka rentrer encore, dit me prend contrôle l'aéroport, me prend contrôle port yo, me prend contrôle douane et l'état commencer montrer ses autorité. Et immédiatement li camper comme ça, ti monsieur Kamba yo a obligé ranger corps yo parce que les armes dit que zam pa ka vinn joine yo encore, munitions pa ka vinn joine yo encore, yo pa ka goum camper goum contre l'état. Les ça l'état y a dit l'état eh bien qui sauve nous fait. Mais immédiatement c'est eux même ou aller avant ça m'a toujours venu. C'est pas longtemps non là youn nan chef de gang très puissant dans capitale là. Ils sont à exhiber quantité zam, li fait gagner. Côté yo sorti, qui soucio. Pour qui ça l'état pas prendre contrôle douane. Les c'est monsieur ça vous fait zam. On pense que c'est là nous voulons parler. Bon côté parle Fito la fleur respectivement président et vice-président parti politique solution à Rivière National souhaitait pouvoir reprendre contrôle territoire perdu à résoudre problème gangoua dans pays d'Haïti. Peuple haïtien c'est au jour le jour où vivre si on pas sorti on pas ka manger on pas ka boire c'est pour nèg ta gon plan qui propre qui ka retirer yo dans ça pour mettre pays a en confiance pays bagaille. Deuxième bagaille c'est pour monsieur ta gon plan avec agriculture pour que nèg ta fait manger ka bon dans 3 mois dans 4 mois pour que yo bay peuple à manger pour manger à parité sous vente étranger les yo joine les yo pas joine pas gain l'argent pour que peuple à manger parce que deuxième problème peuple a gain son problème manger un problème sécurité deuxième problème c'est problème manger ou pas manger. Pendant ce temps peuple haïtien d'après Saoudi attend résultat état d'urgence sécuritaire que gouvernement en place l'a décrété dans environ 2 départements à 14 communes en d'un pays pour capable mettre bandio hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous remercions tous les amis, téléspectateurs, eux-mêmes qui branchés dans moment ça sur plateforme nous, notamment sur VOA Creole, sur Facebook et puis sur toutes les plateformes que nous gagnons. Nous pour aller n'apprêter toujours dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti, un responsable parti politique qui proche ancien sénateur élu Grand'Anse Guy Philippe annoncé un lever campé contre pouvoir en place là. Massado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Pendant le gouvernement Gary Conny a multiplié les efforts dans le cadre d'application accord 3 avril 2024, là, ancien responsable brigade sécurité air protégé BESAP, Jean-Tel Joseph, qui dressait un bilan négatif à l'égard de l'autorité, a annoncé un levé campé contre le pouvoir en place. Là. Près de 4 mois d'échec, 4 mois spectacle de la honte, 4 mois en rien pour le peuple, là, tout pour nous. Ils ont fermé le secrétaire d'État à la sécurité publique. Vous fermez pas le ministère de l'Intérieur. Bilan, c'est zéro. C'est pour raison ça. Vous venez annoncer la population. Jeudi 8 août, nous avons gagné
yon journée de levé campé général. Yon l'autre côté, Association Nationale Syndicat Transporteur Visionnaire Haïti ANSTVH ak syndicat Association Taxi Moto Haïti yo SATMO qui s'allie processus mise en place conseil électoral provisoire fait choix citoyen Rodolphe Pierre pour représenter secteur transport dans KIPA. Nous même dans le secteur transport son bail qui est extrêmement difficile pour nous. Et surtout dans l'ouest côté que nous gagnons presque 7 communes côté que transport vraiment paralysé. Mais nous arrangeons nous en gens parce que nous quittons nous pour compte nous presque pas gagner l'état qui pour aider nous, mais nous-mêmes nous arrangeons nous avec conjoncture pour nous mal miser que nous travaillons et parce que c'est lui nous habitué à faire. Et ça fait que nous obligés à garder ou bien proposer ou bien encourager l'élection pour le fait là, d'en participer et faire choix. Moun probablement qu'a fait une bonne élection pour nous, pour demain si Dieu veut nous passer problème élection ça, problème insécurité ça, pas possible encore. Citoyen Rodolphe Pierre, c'est un syndicaliste. Il c'est un ancien conseiller électoral. Compétence li ak dévouement li, renforcer conviction nous, dans le commandement de li devant CPTA ak gouvernement bien reconnu là. Nous lui dit au groupe civil armé qui a évolué dans la commune Gressier bloqué depuis plusieurs jours. Route nationale numéro DA qui connecte région métropolitaine Port-au-Prince à 4 départements dans le grand site pays. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour VOA Créole. Merci Massia Dovilmé. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons rappelé que 2024 là sont année électorale ici aux États-Unis et nous sommes gagnés. Et convention parti républicain qui choisit et deux moun qui pral sous ticket, c'est pour d'abord ancien président Donald Trump avec vice-président qui c'est un candidat à la vice-présidence, n'a parlé de J.D. Vance, et puis pral gagner convention nationale parti démocrate là lui-même qui fixait ce type 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois, et nous connaissons depuis dimanche là, il y a un président Joe Biden qui a abandonné Kousla. Donc c'est Kamala Harris qui a connu là, qui a cherché lui-même et aval délégué pour la représenter Patia dans le 5 novembre. Et puis, et n'a pas rappelé que Jodia, vice-président la Kamala Harris, qui pat kala dans le congrès à Jodia, eh ben, il était dans Indianapolis, côté que il était rencontré avec un groupe que c'est un groupe sororité, qui c'est un groupe mesdames, qui Antonio, c'est des, qui historiquement noirs, y aurait les Zeta Phi Beta, et il y mandait pour yo al korel nan élection. C'était un moment tout côté que eh ben li choté sous ancien président ou bien rival éventuel rival en parlant de Donald Trump. Donc tous les deux partis yo ap mené campagne pour arriver nan yon ligne droite, yon moment très important nan cadre année électorale ça et côté que eh ben yo pral Kokikon. Aswaya ap gen un programme spécial sous VOA Creole à partir de 8h30, et c'est côté que président Joe Biden, depuis la Maison-Blanche, eh bien, pas depuis, c'est depuis 8h plutôt. À 8h, eh bien, président Joe Biden pral gen pou délivrer un discours depuis bureau ovale la Maison-Blanche, et côté que li pral éventuellement parler de endossement Kamala Harris, et li pral parler tout de raison qui fait que li krason kite ça nan course pour campagne électorale, pour te joindre dans le deuxième mandat, pour aller dans la Maison Blanche. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. C'était Nelson qui était avec nous et Jean-Marc Hervé Abela comme chef de pupitre. Et nous avons connu Chang Wang qui était derrière et nous dit merci. Donc, moi, c'est Jacques Lembélizet, pas oublier, Pita, et vers 8h, nous avons un programme spécial. Bonsoir tout le monde. Sinon, avec Rendez-vous Info, c'est pour demain. Bonsoir. Selon agent exécutif intérimaire Grissier, Jean-Vladimir Bertrand, monsieur fait qu'on est que, yo même comme autorité municipale dans la commune Grissier,
et c'est tout à fouillé on dit et force perdue il a fouillé OK puisque il y a pile bandi qui va aller à Denisancio selon Kazek alors selon agent exécutif intérimaire pardon commune Crécier Jean-Vladimir Bertrand Monsieur dit que m'a cité Radio Télé Galaxy qui reproduit ça. La police nationale d'Haïti frappe fort. Il y a plusieurs dizaines bandits armés qui rivaient tomber dans échange coup de zame cartouche avec force de l'audio. Et en plus de ça, il y a plusieurs criminels qui blessés et que m'a population civile là rapoussib nek sak blessé yo dans section communale petit boucan et en pile là nek sa qui blessé en bas la police qui courit et bien peuple là rapoussib yo yal ba yo bois calé dans zone section communale petit boucan c'est dans zone ça dans Crécier maestra Crécier yo li fait connait qu'il y a pile gros force gros tout y a fouillé là puis au capable enterrer cadavre bandi yo joine dans une localité qui relé dans 12 elle dit on connaît qu'elle est dans 12 oui dans Crécier c'est un pile cadavre jeune garçon qui a décomposé qui a bay mauvais odeur dans zone non et jeune garçon ça yo c'est de criminels c'est de assassins selon agent exécutif intérimaire Crécier Jean-Vladimir Bertrand fait qu'on est qu'elle découvre cadavre ça yo dans zone qui est dans 12 ans et oblige à fouiller tout pour capable enterrer monsieur Sayo. Jean-Vladimir Bertrand monsieur Clément je dis actuellement là dans commune Crécier question circulation licencié paralysé il paralysé et limandé c'est bien limandé avec moun yo citoyen yo nan moment pou yo pa trop fréquenter un ensemble de espace yon ensemble route qui nan commune Crécier parce que ça pou yo pa victime nan échange coup de zam entre la police avec bandi armé yo. C'est ça que agent exécutif intérimaire Crécier n'a même pas les que t'a fait sur antenne média ça dans capitale haïtienne non. Li trouvé un message by citoyen yo et by divers habitants by divers moun qui vivent dans différents localités qui eux même qui fréquenté zone Crécier. Parce que dans un moment ça là, dans un moment là, les déconseillés selon agent exécutif intérimaire Crécier, se dit, les vraiment déconseillés avec Mounio pour pas fréquenter comme une Crécier. En même temps, tout n'a pas de réunion. Rencontre qui déroule entre gouvernement Konyap dirigé et puis différentes entités concernées en dedans pays mette avec la police nationale d'Haïti force l'armée d'Haïti FADH et pendant réunion ça pendant discussion ça Yoshita sous question état d'urgence sécuritaire que gouvernement t'a décrété la fois passée. Et pour premier ministre Gary Conille, monsieur Mandé et monsieur Croix, monsieur Pour, une synergie, un mariage police population
mettez avec ensemble de entités sa yo pour yo garder façon et qui jan pour yo river rendre que état d'urgence sécuritaire là li vraiment opérationnel et permettre que état d'urgence sécuritaire là que li pote bon jan résultat nan bataille contre question gang armé yo et contre question bandi armé qui yo même occupé on dit 80% capitale haïtienne et zone qui environne lio et mettez sous en pile commune dans département la Tibonite et précisément dans bas la Tibonite parce que pas oublier état d'urgence sécuritaire là que gouvernement koni a dirigé conseil présidentiel avec 9 conseillers là-dedans qui prend décision pour décréter état d'urgence sécuritaire mercredi 17 juillet hein? C'est dans 14 communes que yo te clairement dit que 14 communes ça yo c'est des communes que m'a dit contrôler, c'est des communes que criminels contrôler, c'est des communes que a tout fait contrôler, c'est des communes que eh bien quelques eh bien en pile nèg je dis hein, yo mette droit de veto sous zone ça parce qu'il permet que me dire comme ça. Parce que yo décidé, yo fait ça ouvler, j'ai ouvler les ouvler façon ouvler. Mais dans zone ça yo que PM Garikoni qui mettait avec reste l'état pour dire que il y a travail pour permettre que la paix rive établie en de la pays. OK? Yeah. Et parler pour dire que l'État pral reprend contrôle pays kay en kay, quartier en quartier, ville en ville. Jusqu'à présent, gen en pile question moun a posé pour dire que yo poko senti vraiment. OK. Yo poko est vraiment. De action concrète. Action sérieuse. Qui vous traduit, qui vous montre que volonté vraiment pour y résoudre question de sécurité. N'apprenne que quelqu'un de ses amis qui a dit quittez le travail, non? Quittez le travail. Mais attendez. Qui te travaille là? Depuis que tu travailles là pour ça? Depuis que tu travailles, c'est pas ni moi-même. Ce n'est pas ni Désir Venesse qui va dire que nous avons travaillé après ça. Et le résultat est visible. Résultat est visible devant tout le monde. Je dis, hein, pas oublier que, pas oublier, yo getan, conseil la getan pour le boule 3 mois là.
Conseil a déjà pris le parti pour 3 mois. Et pour le 25 avril, pas ça? 25 avril, 25 mai, juin, il va tomber vendredi en la fait 25 juillet, 25 juillet ba 4 mois. On dit mai, juin, juillet 3 mois. Et il va partir pour 4 mois d'ici mois d'août là. Qui ça action oui? Qui ça résultat y? OK? Yeah. Qui ça action et qui ça lié exactement? Je dis un. Moi-même, m'ga essayer comprendre que t'as qu'à gagner volonté vraiment. Mais j'entendais au lieu que nèg yo travaille. Au lieu que nèg yo pense pour yo comment pour yo dit que quel que soit té dans conseil présidentiel, quel que soit té dans gouvernement, on regarde comment que n'ka au moins retirer pep ça. On regarde comment que n'ka commencer poser de action et permettre que gagne des résultats qui t'a commencé à joindre pep haïtien et surtout moun dans quartier défavorisé yo. Si tout moun dans quartier qui pi mal yo, laisse ça. Nous t'a dit, mais vraiment, volonté pour que retirer pays à dans sa lè là, nous t'a dit, nous, elle. Même beaucoup, elle, moi-même. Beaucoup, elle. Et moi, même Désir, venez collaborer avec beaucoup, elle. Parce que Désir, qui c'est le la Tibonite, le que l'a gardé, comment que Basme, M. Gagrifio et Elan Luxon, li sorti dans après-midi dans zone Carrefour comment dans zone côté contrôlé yo a fait vidéo l'a dit moun yo chauffeur capable de traverser ou yo pas prendre l'argent en main yo yo pas faire si pas faire ça mais son parole lié son parole lié al quoi parole mandi a m'entendez ou on a m'gadi tête moi PM gars koni pour dialogue a gang armé yo. Et barbecue voulait dialogue. Elle dit ouais des leaders pas et on dit bah ça voulait dialogue. C'est PM n'a pas bouquet dit déposer ça reconnaître autorité de l'État. Et après l'État va agir. L'État prend ça la décider. Bien que parole ça jusqu'à présent PM n'a pas dit là il va plus mon tête fait mal. André Michel pas vle tande ki so parler négocier dialogue gabandi. André Michel SDP pas vle tande parler mon cap di oh chita pa la bandi. Non mon cher. Ou besoin André Michel mouri sous contou. Oh. Ou besoin bout André mouri sous contou pour t'attendre n'a di oh déposer zame et comment dialogue gabandi. André Michel la mouri sous contou. Hein? André, bout André a mouri sous contre frem. Que donc, je dis en là, et c'est pas seulement bout André, en pile l'autre secteur, l'autre acteur, ou même tout, yon, ouais, pas gen négociation possible avec les gars, mais ça, pour autant de dégâts qui ont fait. Mais, l'autant de barbecue qui ont parlé, dégâts ont fait, c'est comme si m'a dit, avez dit un bruit, non? Comme si, des gars nèg yo fait là s'il prend de 29 février jusqu'à ce que devine commencer contre Simon sur la paix dans pays c'est comme quoi c'est ton blague lié pour yo c'est comme si rien n'était c'est comme si rien pas blé dit rien pour yo yeah. En tout cas mais moun yo wè ça qui passé devant yo moun yo wè qui quantité dégâts je dis en. Et on dit 500 000 moun, mette à 300 000 si moun, fi, surtout adolescent, je dis en la ki yo même, parmi groupe moun ki victime, nan quartier défavorisé ou ke bandi pran en otage yo. Yeah. Donc je dis en, mble ke,
nous garder. Je dis, hein, je veux que nous disions nous que situation gagne. Hein, yeah. Situation gagne. Hein, et ça qui a passé dans le pays. Hein, que quel que soit le monde lié, il faut que tu comprennes. Robin, faut que vous compreniez que ça qui est pas facile. Yeah. Je dis, hein, on garde bien ça qui est, je dis, en termes de réalité. On garde ça qui est comme réalité. Vous comprenez? On essaie de comprendre, on essaie de garder pour nous que à chaque fois que situation ça y est, à chaque fois que réalité ça les présenter en face nous, en pile froid faut nous garder, en pile froid faut nous questionner, faut nous voir comment que nous capables aborder. Comment que nous capables de gérer et qui genre de action concrètement qui doit poser pour qu'on capable de sortir dans cette année-là. De 25 avril, mai, juin, juillet, on dit que dans 19 mois, que l'équipe qui l'a gagné devant là, gardez combien de temps vous êtes. Gardez combien de mois vous êtes. Gardez combien de mois vous êtes. Gardez combien de mois vous êtes. On dit vous êtes 15 mois. Vous êtes 1 an à 3 mois. Bon, c'est vrai. Vous avez toujours voulu régler les bagages ou libérer. Vous faites même avec Ariel qui fait 32 mois. Vous comprenez? Ariel qui s'est fait 3 ans presque. Yo ka fè un jan la arrange ou la jusqu'à ce que la ou comprend monter que situation difficile les 19 mois arrivé ou dit bon et pas faute yo yo pas et pas patati patata et pas ceci et pas cela et pas baba et puis comprend yo m'a dit rallonge yo m'a dit rallonge parce que bam dit nous clair tout autant que pas poser vrai problème insécurité hein. Tout autant que parce que bam dit nous conseil présidentiel connaît ça yo connaît vrai problème insécurité gouvern koni même les qu'elle était des années pas en Haïti mais elle était passé comme premier ministre et elle était fait partie pouvoir bandi légal là et bien que pendant elle était en dehors elle t'a suivi ça qui a passé dans pays hein moi certain que et en pile dans ministre qui dans gouvernement là c'est des monde qui t'a vivre en Haïti t'a vivre en Haïti elle dit yo connaît ça yo connaît vrai cause problème insécurité hein. De Gérard Monomil, qui c'est Andy, qui c'est petit la police là, qui t'est passé dans des CPJ, qui t'est passé comme directeur général et qui retourne dans job ça, yo connaît vrai problème et vrai cause insécurité, yo connaît. Je dis hein, oui, j'ai que réalité à présenter là. Obligé qu'il y ait des opérations policières. Obligé qu'il y ait des opérations musclées. Que nous d'accord. Et il faut bien planifier. Il faut bien planifier. Nous d'accord. OK? Il faut bien planifier. Nous d'accord. Oui. Nous d'accord. Mais. Filmé une opération policière ça yo. On a dit que nous démantelons les criminels nous trois yo. Yeah. On a dit que nous démantelons les assassins yo. Alors assassin à sa patio, on me dit comme ça. Criminel à sa patio, nous demandons Léo, c'est vrai. Et après, parce que Pablo, il m'a toujours dit non ça. Il m'a toujours dit non ça.
insécurité, hein, c'est une chaîne qui est liée. Insécurité, hein, c'est une chaîne, c'est un bloc qui est lié. Et le fait que c'est une chaîne, c'est un bloc lié, mais il faut regarder dans la chaîne ça. Chaque maillon, il faut regarder qui est-ce, il faut nous identifier. Il faut regarder où il y a. Qui est-ce qui est identifié. Et pour nous, qui je, qui moyen. Yeah. Qui je, qui moyen. Pour que nous arrivions vraiment bien résultat. Mm-hmm. Parce que moi, disons ça. Nous avons mené en pile opération. Nous avons démantelé en pile réseau criminel. En pile réseau assassin. Mais où après ça? Ok, nous avons un petit mot sur la paix pendant un nombre d'années. Ok? Nous avons un petit mot sur la paix pour un nombre d'années. Nous avons d'accord avec. Après Timon sur la paix, ça va retourner encore pour 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans encore. Il va oublier. Ça n'a pas vivre là, j'en ai vivre là. C'est 20 ans, après 20 ans. Après 20 ans. Après 2 décennies. Après 2 10 ans. Parce qu'en 2004, tu as une situation pareille qui t'a développé. Le map dit pareil, mais ça a pis mal. Ça a pis mal. Mais en 2004, nous songeons. Fin de 2003, les prêts commencent à faire un bon mouvement pour vous réussir d'aller. Jusqu'à 29 février, réussir d'aller. Après ça, tout 2004, tout bagarre ça, avec minuit, ça va être un gourmet. Mais quand même, vous êtes gourmet, vous êtes bataille. Vous êtes arrivé à faire l'élection 2005 ou 2006, je me trompe. 2005, et puis vous allez prévoir en 2006. C'est une bonne. Et je dis, hein, c'est presque, est-ce que c'est même pas que ça nous n'est qu'il a pour le fait? Équipe qui l'a, comme si Yogoumé, Ariel lui-même, après l'an, moi, Jovenel, bon, qui c'est un cas de force majeure, parce que, hey, un président mourit pendant qu'il est sous pouvoir, en dedans chambre la Kaeli, bah, la TV dans tige en tête en bas, en quatre sous boumbe, vous comprenez? Mais, les que nous gardons réalité, hein, les que nous gardons situation, hein, les que nous observer ça gain nous n'a que dit nous et attendez bien de jamais dit au dit là 2004 pas 2024 certes mais l'état était l'état oui personnage a changé mais l'état était l'état ça veut dire pas que gain période pour l'état. Pas de période et telle période c'était pour l'État. Ça t'est si. Non, pas de période pour l'État. Pas de l'année pour l'État. Et bandit pas qu'à bel l'État défi. Non. Bandit pas qu'à bel l'État défi. Bandit pas qu'à dire l'État, oh, 2000 c'est pas 2000 ça, 2000 c'est pas 2000 ça. Ça est pas vraiment dit. Mais l'État qui est pour agir. L'État qui peut prendre disposition pour qu'elle y agit. Sans qu'elle ne pas violer ensemble de droits. Yeah. Mm. L'État qui peut agir. Sans pas violer droit. Chaque monde n'y a rien. Ok. Yeah. Yeah. L'État qui est pour l'agir en bonne et due forme, en respectant les normes, en respectant la loi, mais pas pour le permettre que, ensemble de droits que citoyens ont gagné, que droits ça respecté, et citoyens ont même qui ont des devoirs envers l'État. Malheureusement, j'aime toujours dire ici, hein? J'aime toujours répéter ici, hein? Ce qui est bon vol qui passe dans tel pays, hein? Mais dis ça, majorité dans yo,
majorité dans ce qui ban voleur, ban camouquin, ban assassin, ban criminel qui passe dans tête pays, hein? Yeah? Qui passe dans tête l'État, qui a fait défait dans pays, hein? Au lieu que te penser puis te travail, ne permettre que gain la paix, gain sécurité, gain travail qui créé, gain l'hôpital, gain centre de santé, comme si on peut qu'a fonctionner, gain route, gain ensemble de bagaille, paye a fonctionner, paye a bouger. Il préfère à voler. Ou pas chaque pouvoir passer là, il y a qui mène 6 millionnaires. Et qui mène voler, qui mène assassin criminel qui était dans le secteur privé, c'est des oligarques corrompus. Il n'y a même pas venu qui paye payer même. Il y a 20 millionnaires, 6 millionnaires en Haïti, sous deux masses défavorisées. Hein? Ah oui. Parlez de misère, peuple souffrance, ça va être ça, mon cher. Misère, peuple, souffrance, peuple. Non, mon cher. Oh, qui va s'en dire là? Ça va être ici. Ça va être ici. Et je dis, hein, moi, je veux que nous gardions. Je dis, hein, je veux que nous comprenions. Je veux que nous disions nous que situation qui existait là, yo, problème qui existait là, yo, c'est qui j'en a fait pour nous résoudre. Yeah. C'est qui j'en a fait pour nous résoudre li? Parce que là définitivement faut que de axe opposé. Yeah. C'est là faut que de axe opposé. Est-ce que on va bon? OK. Je dis, hein? OK. Je dis, hein? Yeah. Je dis, à Fondi Bagala bien. Je vous dis à Fondi Bagala bien. En tout cas, je vous dis à Fondi que Fondi comprend que OK. Je vous dis à chaque monde capable de comprendre. Chaque monde capable de comprendre et chaque monde doué. Chaque monde capable de comprendre et pour engagement. Yo. Yeah. Yeah. Chaque monde capable de comprendre et chaque monde doit regarder comment que. Yo ka engagé yo. Yo ka prend de disposition. Yo ka prend de décision. Dans l'autre Haïti. Parce que je dis nous ça. Pas chita mande ki sa l'État fait pour nous. C'est vrai que moun ki la, moun ki passe avant yo tout ki la jusqu'à présent. Nous avons volonté de faire pour nous. Nous devons engager nous-mêmes en soi. Pour que nous jouions. Des résultats. OK. 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 Nous avons engagé nous. Mais qu'on y a l'entendez ou ensemble de soi-disant de nègres, de femmes qui disent que c'est dirigeant, que c'est autorité, que c'est ministre, que c'est premier ministre, que c'est conseil présidentiel, non, regardez, pile discussion, scandale, parler en pile. Ou vous dites, mes amis, finalement, est-ce que pays ça, c'est chose qui va gagner? Est-ce que Haïti, c'est mauvais, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont mauvais, les gens qui sont mauvais, ah oui. Ah oui. Oui. Oui.
Je dis, hein? Je dis, hein? Mais que quel que soit mon que lié. OK? Quel que soit secteur que lié. Je dis, hein? Je dis, hein? Je dis à en nous garder comment que nous prenons engager nous. En nous qui Jean que j'aime toujours m'en dire là. OK? J'aime toujours m'en dire là. J'aime toujours dire là que l'autre Haïti ça n'a pas parlé. Hein? L'autre Haïti que n'a prôné, c'est pas mon cap vin banoul. OK? OK? Yeah. OK. On comprend? Je dis, hein. Je dis, hein. Moi, ouais, que chaque Haïtien voulait t'étendre. Moi, que chaque Haïtien attendre, attendre. C'est comme quoi, m'dadou. Dat n'a pas t'étendre. Dat n'a pas t'étendre pour faire ma gueule pour nous. Mais est-ce qui ça nous est? Dis-moi qui ça nous est? Pendant pile temps ça n'a pas de temps tant dans nous chaque temps n'a pas nous là. Mon yo vini là faire affaire yo. Yo vini là pendant quelques mois là yo riche. Yo fait gros fortune yo. Hein? Yo fait gros fortune yo riche. Et bien, quitter nous-mêmes dans la misère, dans la souffrance. Alors que, il y a ensemble de gros projets, il y a ensemble de gros l'argent qui décaissé et qui pral décaissé. Il y a annoncé qui pral décaissé sous do qui est, sous non qui est, sous do nous et sous non nous. Sous do nous et sous non nous. Il y a fait gros décaissement ça yo. Yeah. Sous don nous et sous non nous. Il y a décaissé million 20 ça yo. Que je dis en blé qu'on comprenne que ça gain là comme situation. Ça qu'a passé là comme réalité. Li mandé que chaque haïtien li mandé que chaque graine nan nous vraiment penser à un autre Haïti, faire un autre Haïti et engager non l'autre Haïti. Je dis à moi que c'est là pour nous aller. Je dis à moi que c'est ça pour nous faire. Hein? C'est là pour nous aller. C'est ça pour nous faire. Et je dis en hein, quel que soit, yeah. Quel que soit niveau dimension que ou même ou y est comme haïtien jodi, qui vive en Haïti et qui dans diaspora, qui t'a révélé ou l'autre Haïti, qui pour l'autre Haïti, qui pour changement Haïti, je dis à ses propres, c'est engager nous, c'est dit nous que, mais qui gens. Mais qui façon nous pral jouer partition pas nous mais qui façon mais qui gens
nous pour engager nous dans l'autre Haïti ça. C'est moi-même que je dis. Dans l'autre Haïtien, faut que tout secteur qui conscient, ok, faut que tout secteur qui veut et qui croit et qui t'a aimé et qui t'a aimé. L'autre Haïti ça vraiment living réalité hein, on engage nous. Et engager nous. On permet vraiment que engagement que nous prenons pour l'autre Haïtien, engagement que nous devons prendre pour l'autre Haïtien, on prend le sérieux. Et on permet tout nous mandé de l'autre haïtien. OK. 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 Moi dit on comprend que je dis hein. Que oui, en nous permet, en nous mandé, en nous encourager de l'autre haïtien pour yo impliquer yo, pour yo engager yo nan rendre que haïtien possible. C'est moi qui ne va qui clair. Et m'a répété. Et moi dit souvent ici. OK? Moi dit souvent ici. Nous tous comme haïtiens ne pouvons pas quitter Haïti. OK? Nous tous ne pouvons pas quitter Haïti. Et c'est pas nous tous qui voulons quitter Haïti. Ça me dit hein? Nous tous ne pouvons pas quitter Haïti. C'est pas nous tous qui voulons quitter Haïti. Il y a des gens qui t'a toujours voulu que nous fassions visite. Une visite aux États-Unis. Visiter l'autre pays, de l'autre pays, comprendre pour ouais, comme si de belles, ça a eu comme infrastructure. Mais la caille nous, maintenant, nous avons ensemble de belles richesses naturelles. Si il y a l'État, il y a un pays. Quand il y a créé conditions, même Jean-Waï, c'est quand il vient aux États-Unis, à l'Imtab Square, à regarder, comprendre, aller là, France, à regarder la tour Eiffel en France, d'autre côté encore. Mais si il crée des conditions, nous tablis sécurité, nous avons l'État, tout, tout le bagage ça y est. En plus, l'étranger a compté en venir pour y aller visiter la citadelle de la Ferrière. En plus, il a compté pour aller garder par les 365 portes, oui. Aller Fort Jacques, Fort Alexandre, aller dans Gouot, nous y aller dans Rivière, nous y oui. OK? Yeah! Aller garder yo. À contempler yo. Parce que gen richesse tout. Allez là-bas, dit. Allez, place gelé. On est bon. Eh bien. Et on dit nous que. Même gens. Gagné. Décédé en termes d'exploit. On va bon. En termes d'exploit, en termes de richesse. Que pays ça a gagné. Mais nous même tout nous des bagages là en termes de richesse, nous est capable d'utiliser. Nous est capable faire, nous est capable faire 2 millions avec yo. OK? Nous ca faire 2 millions avec yo tout. Nous ca faire de exploit avec yo. Parce que les touristes en vini, a gagné de guide touristique. L'Elvini tout là, j'ai entré l'économie pays. Hein? Parce que pour le descendre, nous côté, il faut le jouer un hôtel, il faut le restaurant pour le manger. Tout ça pour aider et utile. Dans rentrer économie pays. Hein? Vous comprenez?
Yeah. Mais en sérieux, là autant des haïtiens du bon, OK, li pral visiter, li pral et makone Manhattan, li pral tel côté, pral faire ci, pral faire ça. Eh bien, là la côté ça yo, pour la garder c'était belle building. Les livres, premièrement, la paye machine, en termes de taxes, la paye machine privée, la paye Uber, la paye l'achat batterie dans la caisse d'État. Les livres côté, il faut acheter des choses pour le bois, pour l'enjoy. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est l'achat batterie. Et si la font 2-3 jours même, il faut le payer pour payer hôtel pour le descendre, si il n'y a pas besoin de 40 000. Vous comprenez? Non? Tout ça, c'est carré. Tout ça, c'est créer des conditions pour Haïti. Il y a plusieurs chaînes d'hôtels. Vous avez parlé avec récemment, les Tiblés. Est-ce vraiment si bien si sécurité dans le pays? Hein? Bon genre sécurité. Est-ce que Haïti a vraiment avancé? Je me dis oui. Depuis que bon genre sécurité, l'État, nous avons l'État, de bien nous avons l'État qui est fort. Nous avons l'État, nous avons l'État de droit. C'est au cas de sécurité, c'est comme si bandit à sa part, ok, mais si par une justice qui fait tout, par un état de droit, côté que la justice a agi, par une justice au plus offrant, et pas la police qui a servi comme tout, mais c'est la police qui a protégé vie et bien monde, qui a créé des conditions, qui a investi, qui a une infrastructure routière. Moi-même, je ne vais pas nous mentir. Je fais plusieurs départements. Même je ne pas dire que je fais comme si tout le monde était dans le département. Même je fais plusieurs départements. Je suis dans plusieurs fois. Je suis dans le Balais, je suis dans côté Lascaobas, c'est bel petit côté. Je suis dans Cacavajal, bel petit côté. Je suis dans le Tchot. C'est vrai que je ne suis pas dans le Tchot, comment la forêt des PM dépasser. Mais la forêt des PM, monsieur, malheureusement, la forêt qui dégage combien? Il n'y a pas 300 combien mille hectares qui étaient boisés en termes de prix bois. Bon, nous avons coupé pied, et PM pour capable de faire charme en bagage. Mais la forêt des PM, monsieur, pour aider les personnes, mes amis, que ou t'as deux camions, si vous allez visiter, tout ça allez visiter lui. Là, mes amis, regardez les fraîcheurs, regardez les bateaux, la forêt des PM, regardez le bois voisin, et c'est demain. Oui. On va contempler, oui. C'est comme quoi pas Haïti, non, mais. Tout ça, c'est comme si, en termes de valeur, en termes de patrie, en termes de richesse, comme si, nous sommes capables de créer, oui. Parce que dans la forêt, à mes amis, c'est vrai, il y a des séries de bêtes, mais la forêt n'a pas gagné. Il y a des bêtes comme si, bêtes sauvages, bêtes féroces. Mais tout ici, qui a bien remis entre Haïti, à la forêt des PM, là, comme si, vous allez gagner de l'espace en dedans, vous comprenez, vous faites pour les gens qui viennent visiter, qui fait une semaine, qui fait deux, trois temps arrêté, payer, comme si, pour montrer, oui. Créer richesse, créer emploi, oui. C'est ça, oui, comme si que l'autre pays a fait comme si en plus côté de nous. Donc, les États-Unis, plein, plein, côté de l'époque, et pas pas cochon, m'a dit. Comme si pas côté que, et comme si, gen zeb, gen si barri, mette jouet, si moun ka vini, moun ka vini chita, moun ka parle, échanger. Mais quand plus côté là, Haïti, n'a pas dit n'importe quoi, instant. M'a dit n'importe quoi, parce que Port-au-Prince, cette ville-là, son côté que ça, c'est fin, gen pile moun là. M'a dit n'importe quoi, instant. Ok. Mais gè de côté on dit gagne en les zones 15 coffre côté ça yo gè de bel et fusi gè Thomasin gè en plus côté en Haïti nan moment qui capable faire de espace touristique qui c'est de espace attraction comme si moun ka vini vinn visiter vinn contempler ça ni quoi mon cher comme d'ailleurs bon là zone les boutiliers ou dominer tout en bas la ville ou dominer tout l'en mer en bas oui et bah vous ça jour où les ancêtres ont fait fort Jacques en l'air non c'est pour les comme si les ennemis ont venu sur l'en mer pour capable contrôler oui ah oui les a venu maintenant quelque chose dans avion dans bateau il a contrôlé yo parce que l'on les a dominé en bas mais c'est belle vie c'est belle mais ou t'es entendu récemment là on bandit Timakak bandit Toto qui prend l'air en otage la boule côté ça yo. Je dis, hein. Qui sont les gens qui veulent me comprendre là? Nous avons un bel pays, nous avons un bel pays. Parce que payant soit physiquement, pas les problèmes, non. C'est nous, c'est nous. C'est nous comme haïtiens, c'est dirigeants, nous. Yo mettez avec comme resta, avec comme tchoul, de étrangers qui mettez payant dans ça, là. Mettez avec de étrangers. Je mettais Haïti dans sa lit là. Mais sinon, mon frère, sinon, amis, nous tapons très loin. Ah oui, nous tapons très, très loin, mon frère.
m'a dit non on haïtien qui a toujours quitté Haïti à l'autre côté mais pas t'a raison mauvais la vie misère insécurité violence calamité qui t'a fait quitter Haïti yeah depuis que travail t'es emploi t'es sécurité quel que soit ça mon étudier le travail même n'est pas étudier mais force physique lui qui permet que le travail parce que loi l'Amazon ou pas besoin intellectuel non pour travailler Amazon non. Il va m'en dire c'est vous, non? Comme si, est-ce que qui niveau? Non, bah, bah, comme ça. Ça oui, il y a des niveaux pour occuper des postes pires. Oui, il y a besoin de ça. Mais, mon, en pile haïtien, qui travaille à Amazon dans le moment, il va aller avec CV. Il va besoin de CV dans le moment. En pile nation qui travaille à Amazon, il va besoin de CV dans le moment. Ou appliquer pour lui, ok, il y a eu l'eau, il va sortir une interview, il va se dire capable, il est capable, et puis il prend. Il prend, comme ça, lié. Et c'est comme ça que en plus côté, dans la question usine factory en Haïti, à côté de postes qui pire comme si, faut qu'on ait ça, il y a des postes qui comme si, ou obligé qu'on niveau normalement, mais il y a des autres postes parce que il y a un travail là, il y a plusieurs niveaux là-dedans, il y a des cadres, il y a des personnes intermédiaires, il y a des personnels, qui donc, à chaque échelon dans l'échelle là, mais ça, qui est comme exigence, ok, on apprend, on avait exigence pour yo, mais mon qui peut pas avoir des exigences pour ça, si normalement, mon n'a pas passé ce bail préliminaire là. Et comment ça l'est? Et comment ça l'est? Et nous nous demandons ça. Amazon, c'est un format de factory que l'on a en Haïti? Yeah. Mais pas y a comme si qui respecte les normes, qui boit une certaine garantie. Vous comprenez, Mme là? Mais clair, parce que c'est les Walvan. Même si elle travaille dans son appui, qu'au dévi. Et vous comprenez? C'est les Walvan tout. C'est pas journée au pays. C'est pas journée au pays où l'on est l'argent là. Avec un salaire minimum. Qui bon gagne des basouli parce que gagne des states aux États-Unis gagne des villes aux États-Unis et les ou pas il va payer les même cop que côté c'est $10 que côté c'est $12 que côté c'est $15 que côté c'est $17 qui donc ça va le dépend parce que quand dans les États-Unis mon cap quitter tel c'est prendre tel state parce que pas qu'on travaille on dit mais est-ce que il paye trois petits cop au compris son bill là quoi bord de bâtir chargé son bill caille. Quand je dis, on comprend, je t'ai dit, bill, kai, bill, si, bill, ça, bill, c'est bill, c'est bill, ça, yeah. Mais ou pendant qu'on paye, ou tout, jouer un service, l'État prend l'argent dans mon taxe, dans mon site, ou paye, ou vrai, mais ou jouer un service, parce que ou est où tu as fait. Ou non paye, ou pas, j'aime à côté ligne éteinte. Ou jouer une gloire. Pas que ce dîner pas, du pas qu'à traverser là parce que m'a dit que c'est en otage, y'a pas qu'à le gérer, tu y'a dîner pas. Et pas que ce parce que ou là, ou n'en cas là, ou n'est pas 3, 4, 5 mois, pas j'en m'en courant, et y'a du comme ça, t'es un problème. Et donc, non, ou paye pour service, ou jouen service tantôt. Ou jouen. C'est ça que fait, en pile froid, moun yo dit, oui, son paye bill, c'est vrai, mais ou paye bill là, ou jouen service tantôt. Tout. Y'a qu'à boire machine à crédit, jusqu'à ce qu'on fin bill. Le paye assurance machine non c'est parce que il y a des avantages qui a privé tout ou paye assurance Kailan parce que si on va arriver dans Kailan les compagnies mais l'état pas compagnie et si tu gagnes ça yo on l'état qui était fort en Haïti il va t'a déranger il va t'a déranger du tout OK yeah yeah qui donc mais ça qui dans tête non. Yeah. Mais, yeah. Je dis, hein? Je dis, hein? Que chaque haïtien, que chaque secteur, que chaque acteur engagé yo et ouais pour notre Haïti, qui possible, qui réel et qui prospère, zemien, dit notre.